Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer la variante du skin Midas en ombre ou en fantôme. Alors première chose que vous devrez faire, c'est terminer 18 défis, des défis de Midas pour débloquer la mission secrète et débloquer la variante du skin. Alors si vous choisissez la variante ombre, vous allez recevoir une mission qui est de livrer des armes légendaires dans des boîtes de dépôt à l'ombre. Donc les boîtes de dépôt, je vais vous montrer tous les emplacements dans cette vidéo. Alors si vous choisissez la version fantôme, ce sera pareil, vous devrez livrer des armes légendaires dans des boîtes de dépôt, mais là ce sera des boîtes de dépôt du fantôme. Donc voilà pour les défis, maintenant je vais vous aider à réaliser ce défi. Alors première chose, je vous conseille de lancer en foire d'empoigne. Quand vous êtes en foire d'empoigne, je vous conseille d'aller à Logjam, donc c'est une scierie où il y a masse matériaux à récupérer. Pourquoi je vous conseille d'aller chercher des matériaux? Parce que vous allez devoir livrer deux armes légendaires. Donc c'est des armes en or. Alors bien sûr, en foire d'empoigne, les spawns d'armes sont plus élevés, donc vous avez plus de chances de trouver des armes en or, mais bien souvent vous tombez sur des armes épiques. Donc ce que je vous conseille, c'est de farmer les trois types de matériaux à Logjam, donc dans la série. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser l'établi d'amélioration pour améliorer vos armes en légendaire. Ce qui vous aidera grandement à avoir deux armes légendaires. Après, vous pouvez trouver des armes légendaires dans des coffres et dans des ravitaillements. Mais ça va vous demander un peu de recherche. Donc si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, farmez les matériaux en foire d'empoigne, surtout que ça va super vite, et trouvez des armes à améliorer. Quand vous avez vos deux armes en or, il va falloir aller près d'une boîte aux lettres, soit fantôme ou soit ombre, par rapport à la variante que vous avez choisie, et vous y rendre, pour justement lui donner vos deux armes. Alors là, je vous affiche une map avec tous les emplacements des boîtes aux lettres, ombre et fantôme de la map. Donc rendez-vous à l'une de ces boîtes aux lettres, soit ombre ou fantôme, par rapport à votre variante, et donnez-lui les deux armes pour débloquer la variante en question que vous avez choisie. Donc voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est très important. Et n'oubliez surtout pas le code créateur SCM dans la boutique Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao, peace.